Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment bobiner un transformateur nécessaire pour réaliser un convertisseur 12 volts vers 220 volts. C'est fait à base d'un transformateur à point milieu dont nous aurons ici au primaire du côté basse tension un enroulement 3 x 2, donc 3 tours x 2 et en sortie nous aurons 90 tours. Et puis si vous voulez avoir par exemple une tension de 36 volts par exemple, vous devez faire la règle de 3. 90 tours correspond à 220 volts. Et si vous désirez 36 volts, vous allez poser ainsi et appliquer la règle de 3 pour obtenir le nombre de tours nécessaires à bobiner du côté haute tension afin d'avoir 36 volts. Et dans cette démonstration, nous allons démontrer que partir de 3 tours x 2 et 90 tours au côté haute tension, on peut avoir 220 volts nécessaires pour alimenter une lampe de 100 watts comme celle-ci. C'est une lampe à incandescence pour des charges actives. Donc, pour faire ça, je vais prendre des fils en cuivre comme ça et puis je vais utiliser cette batterie comme support de bobinage. Et ensuite, je vais prendre le bout du conducteur. Et afin de ne pas faire les erreurs, je vais prendre coller comme ça et par la suite, je vais scotcher ici de peur que le câble. Le fil ne puisse bouger pendant les manipulations. Car quand lorsque nous allons faire, nous allons compter ensemble. Donc lorsque je vais passer un tour complet, je vais appeler ça un spire. Donc voilà un tour complet. Ça va former un spire. Nous allons bobiner comme ça, comme nous avions dit, 90 tours. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc lorsque ça passe jusqu'à traverser ici, ça fait 21 tours. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous comptez. Ça va faire 21 tours. 22, 23, 24. 25. Lorsque j'arrive ici, vu que ça va dépasser, je peux superposer et poser au-dessus. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lorsque j'y arrive ici, je vais encore aller de l'autre côté. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 tours. Et une fois terminé, il doit falloir enlever de ce support. Donc vous voyez que si c'est trop, si ce que j'ai trop serré, ça ne va pas être évident d'enlever. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça doit se passer. D'accord, j'enlève le support. Je sors la batterie. Donc, normalement, on devait fabriquer un système qui va pouvoir tenir cela normalement. Vu que c'est une vidéo de démonstration, d'accord, j'enlevais plutôt du mauvais côté. Donc, une fois nous arrivons ici, je peux prendre maintenant quelque chose pour attacher. Donc, je peux prendre ces fils de transformateur haute tension. Je vais passer. C'est juste un fil qui va permettre d'isoler et faire plein d'autres choses. Ou à défaut, je laisse comme ça. Vu que nous allons d'abord faire un test dessus, je vais poser comme ça. Au final, nous allons arrêter ici avec. Donc, je peux prendre un peu un scotch électricien pour essayer d'emballer. Donc, vu que ça me trouble un tout petit peu, nous allons tout d'abord laisser comme ça. Et ensuite, je vais visser une lampe dessus. Nous allons tester en l'air, en l'air. D'accord. J'emballe aussi l'autre côté ici. Une fois tout emballé complètement, vu que ça va former du côté haute tension, nous allons mettre dans le circuit magnétique de l'inverter que nous avions réalisé précédemment. Je vais positionner comme ça et afin d'accélérer le champ magnétique, nous allons mettre ce support. Ça se positionne. Je vais poser comme ça. L'objectif c'est de mettre quelque chose qui peut soutenir et ne pas bouger. D'accord. Lorsque nous allons alimenter maintenant avec une tension de 12 volts, le circuit va entrer en jeu. Je vais prendre une alimentation de 12 volts. Nous avions ici une lampe de 220 volts. Nous allons alimenter le circuit une tension de 12 volts, respecter la polarité. Également, nous allons alimenter ici également. Vu que je n'ai pas encore vissé les radiateurs sur les MOSFET, je ne vais faire le test que pendant quelques secondes afin que vous puissiez voir comment la lampe de 220 volts brille normalement sans problème. Donc j'appuie, j'envoie l'impulsion. Voilà la lampe de 220 volts qui s'allume normalement et les MOSFET ne chauffent pas. D'accord. Donc pour ceux qui sont un peu dubitatifs, à la place de mettre la lampe, vu que si je mesure la tension quand c'est en charge, nous aurons la tension en charge et ça va être un peu influencé. Nous allons juste prélever quelques mesures là avec le multimètre. Je vais calibrer le multimètre en mode tension alternatif. D'accord. Je mesure également là. Vous voyez très bien que pour le moment, ça n'a pas d'impulsion. Ça n'a pas de tension. Lorsque nous allons envoyer l'impulsion, ça va nous donner une tension normalement. Donc ça ne se colle pas encore. Mais regardez sur le voltmètre. 100 volts. Lorsque le circuit magnétique sera bien rapproché, donc vous voyez que lorsque nous allons attacher tout complètement et former un bloc, la tension va augmenter. 147 volts.
Donc vous voyez que le circuit magnétique n'est pas bien attaché. Lorsqu'on va fermer le circuit magnétique, nous allons mettre sur un support qui va coller normalement. Donc pour faire le test à la fin, nous allons arrêter avec ça. Donc nous allons poser comme ça, maintenir parfaitement. Donc je ne sais pas sur quoi je peux poser jusqu'à ce que ça reste parfaitement. Donc d'accord, je laisse comme ça. Je fais encore un second test. Voilà, voilà la tension normalement fermée qui est égale à 310 volts. Lorsque nous allons bien positionner normalement, vous allez lire une tension de 220 volts. C'est un peu comme ça qu'on utilise pour réaliser les onduleurs. Nous allons mesurer également la tension en entrée pour que vous puissiez voir que c'est bel et bien du 12 volts. D'accord, nous allons mettre sur tension continue. Voilà, 11,77, donc presque 12 volts. Donc voilà en fait le principe de fonctionnement des onduleurs, des convertisseurs 12 volts DC vers 220 volts. Voilà, et le nombre de spies que nous avions. Donc vous pouvez également réaliser cela par plusieurs moyens. Je vais encore rebobiner cette bobine. Afin d'isoler, nous pouvons l'utiliser plusieurs fois dans nos différents TP. Alors les gars, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos.